Bien, bonsoir à toutes et à tous, ici Chiprince. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2. Attendez. Voilà, Mercurius Team. Moi. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Castlevania Lords of Shadow. Bienvenue à vous pour cet épisode 2, et puis on va commencer sans plus attendre. Voilà. Excusez-moi. Alors. Ah oui, on en était là. Le marais des morts. De la mort, le marais de la mort. Alone again, with only his thoughts as company. C'est parti. He continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the dead bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner. But nothing will stop him. Nothing will stand in his way. Ok. Attendez. Ok, c'est gratuit. Très bien. Écoutez, on va pas se perdre. Hein. Il y a quelque chose dans l'eau. Quelque chose de terrible. J'ai vu des hommes se faire entraîner sous l'eau et ne jamais réapparaître. On repère ces créatures aux ondulations et aux bulles qu'elles font à la surface. Il vaut mieux attendre la disparition de ces remous avant de traverser le marais. Personne ne peut le traverser, ne peut les traverser à cause des fumées toxiques se dégageant de chaque côté du chemin. Il faut être patient et attendre le bon moment pour traverser. Je sais que je vais y passer, mais au moins, ce sera en combattant et non en étant avalé par l'un de ces monstres de boue. Fine. Oh well. Battons-nous dans la bataille. Oh. What the fuck? Oh. Bonjour. J'ai vu ça. Tenez. Fuck. Oui, ok. Oui, bah, vite, s'il te plaît. Success, motherfucker. Success. Oh, la parade qui renvoie la grenade. Ow. Pareil. Ah, il faut que je chope le timing de l'animation parce que c'est galère. Oui, tu es laid. Oh. Adieu. Ah. Oh. Oh. Oh.
pas super envie de mettre les pieds là-dedans, moi. Hein. Bon. Oh well. On va voir. Oui, bonjour. Oui, bonjour à toi aussi. Et moi aussi, je peux chuchoter, madame. Et quoi par là? Il y a juste une fontaine de vie ou il y a autre chose, un bonus, quelque chose. Aïe 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 aïe, non c'est bon. Ça passe. Une fontaine de vie déjà. Voilà. Mais là il y a quoi? Des choses. Bonjour monsieur. Il faut arrêter maintenant. Ça suffit. Alors, ça se passe des choses là-bas. Là, y a rien. Je vois rien en tout cas. Ah ah! Un chevalier. Ah, une gemme de vie. Cool. Oh, berk, berk, berk. C'est bien dégueu quand même, hein. C'est bien dégueu, bien vaseux tout ça. On va passer par l'autre côté vite fait voir. Non. Laissez-moi m'écrire. Oh, comment c'est bien dégueu quand même. Oui, madame. Non. Je reste là. Si j'étais en train de bouger, j'aurais fini crevé. Allez, ok. Ok, ça passe. Pas besoin, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là ici? C'est une des choses. Top, top, top. En bas là? Non? Je vois un chevalier là-bas, il brille. La traversée va être longue. Non, il faut que tu sautes. Perk, perk,
s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Ah don't move. Ah, j'étais pourtant dans le truc, ils m'ont pas chopé ce coup-ci. Étrange. Ah. Ok, une autre fontaine de vie là-bas. Un chevalier mort. Quelque chose pousse de plus en plus les tribus de gobelins vers nos villes et nos villages, d'où les récents conflits entre eux et les humains. Je soupçonne un noir sortilège d'en être la cause. Quelque chose d'incroyablement maléfique s'empare du pays et je m'inquiète de ce que cela présage pour moi et mes amis. Ah. Désolé, mon grand. Ouais, je vais me le choper. Non. Oh, ça passe. J'y croyais pas du tout. Tep tep tep, on s'arrête. Merci beaucoup. On passe par le teco. Très sûr. Ok, on est bon. Merci beaucoup. Ok, donc ça me ramène là. Ok, là-bas derrière, du coup, il y avait quoi? C'était ça continue ou ça rejoint la même route? J'aime pas trop les marais dégueux, mais bon. Ça va être serré, ça va être serré, ça va être serré, ça va être serré. Ah, ça passe, c'est bon. J'ai toute ma vie, donc on est bon. Écoutez, on va continuer par là et puis on verra bien. Ils sont pas ouf hein, dans le coin. Ils sont pas ouf. Et oui. Ok. Tac tac tac. Et ça c'est quoi ça? D'accord. Je vais arriver de là ou de là-bas, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Crache pas comme ça le jeu là, fais pas des frises comme ça, c'est pas ouf. Je sais qu'il faut que je chope le gobelin. Allez merde. Allez, lâche une grenade. Mais je sais. Mais je suis au courant, il est mignon. Sérieusement. Voilà. Je sais qu'il faut que je jette la grenade. Tu me l'as dit tout à l'heure. Aïe. On va arrêter, on peut pas faire ça.
autre chevalier mort sur le côté. Qu'est-ce que tu as, toi, un papier? Un papier. Ici, dans le marais, se trouve un mausolée déserté depuis de nombreuses années. Le cardinal Volpe m'informe que l'artisan légendaire Rinaldo Gandolfi a construit au cours de son séjour une puissante relique qui aidera celui qui maniera la croix de combat. Je dois admettre que je suis inquiet car beaucoup de mes camarades sont tombés en chemin. Et je me demande si cette mission de fou n'aura pas raison de moi aussi. Oh, il est mort. Tup, 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 tup. Ah, c'est bon. Encore toi? Qu'est-ce que tu peux bien être? Ok. Et écoutez, continuons. Bonjour. Ok, deux pauvres gobelins cachés dans un buisson. Superbe. Merveilleux. Encore? Quoi ici? Le fameux, et en bas du coup ça fait quoi là? Il y a un autre chemin là. Apparemment là ce serait le fameux mausolée, mais là il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Un chevalier nulle part hein, ici? Non? Apparemment pas. Ben, c'est pas grave, hein. On récupère la fontaine de vie et puis on se casse. Allons-y. Ouf. Ah là. Pas un petit ça apparemment. Je préfère regarder derrière hein, au cas où. Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. La Sainte Lumière. Upgrade, motherfucker. Hop. Ok. Pas balancé, mais. C'est la double prière maintenant. Bizarre, bref. Ok. Ok, ok. Oh. Oui, monsieur, allô, quelqu'un, bonjour. J'ai cru voir un truc, mais non. Non plus. Très bien, bon, bah allons-y, c'est parti, hein. Okay.
toi qui me regardais. On mate pas. Ah, oh, je l'ai paré. Mais ah, oh. Couteau. 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 Putain. Au, au. Au. Allez, je t'achève. Il y en a marre. Tu vas crever, bordel. Allez, c'est le moment de perdre la langue. Phew. Faites un peu tout le décor. Voilà, on se remet bien. Allez, on ouvre ça. Finally. Rien ici, très bien. Qu'est-ce qu'il y a là ici? Oula. D'accord. D'accord. Fine. Ok, la caméra là, ça me fait un peu foutre la merde avec les touches, mais... Ça m'énerve, ça me dit qu'il y a un truc là-haut là. Rien de rien, je crois que la caméra d'AS est censée. On peut pas sauter. Non. Oui. Je sais que je peux descendre. C'est éclairé. C'est brillant. Je le veux, moi le chevalier. À moi. Oh oui. Oh, il en manquera qu'une. Faut... Non, le jeu, tu... S'il te plaît. Alors ce jeu est génial, mais alors des fois... des trucs bizarres. Fou. Platforming dans ce jeu, ça va être la merde aussi, je sens. Si on a. Hop. Tac, tac, tac. Ce n'est rien, tout va bien. Oui. Bruh. Tout va bien, ce n'est rien. Tic tic tic, continuons. Bon bah écoutez, je crois que... je crois qu'on est arrivé au bout pour ça. Tic tic tic. Est-ce que c'est la fin du niveau?
Ah non, parce qu'il y a des statues cachées là, mais on sait jamais, hein. Bon, apparemment rien. Yes! Victoire! Victoire! Je regarde time. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ça me paraît bien. Écoutez tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être que l'épisode sera un peu plus court que le premier. Si tel est le cas, je ferai durer l'épisode 3 un petit peu plus longtemps. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sachez en tout cas que ça m'a fait très plaisir de tourner cet épisode 2. J'espère en tout cas que vous aussi vous prendrez plaisir à le regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et je vous retrouve très vite pour l'épisode 3 de ce Castlevania Lord of Shadow. A plus tout le monde, ciao ciao.